Que cherchons-nous? Pourquoi croyons-nous en Jésus? Il pose lui-même la question. Est-ce que les gens le cherchent pour qu'il leur donne encore du pain? En fin de compte, pour que Jésus leur rende service. Soit que Jésus fasse leur volonté à eux. Jésus pourrait, d'un claquement de doigts, résoudre tous nos problèmes, et forcément, surtout les problèmes du coronavirus. Il pourrait, si Dieu existait, arrêter toute la pandémie. Non, Jésus nous invite à chercher autre chose, les biens éternels. Comme nous le disons dans notre Père, nous devons faire non pas notre volonté, mais la volonté du Père. Construire le monde et un monde de justice. Se soutenir les uns les autres. Croire en l'envoyé de Dieu, croire en Jésus mort et ressuscité, qui par sa mort et sa résurrection, peut nous soutenir dans toutes les difficultés. Jésus donc n'est pas étranger à la crise que nous vivons, il la traverse avec nous en nous soutenant, en nous donnant du courage, en essayant de nous permettre de surmonter cette épreuve. Et ainsi, comme tous ceux qui viennent d'applaudir pour soutenir tous les soignants, mais aussi tous ceux qui passent du temps pour le service de la communauté, Jésus vient nous soutenir, nous aider à vivre et nous permettre de passer de ce monde au monde du Père, monde de justice et d'amour. Amen.